Et si l'inverse nous touche, toi et moi. Vianney, en direct sur Toulouse FM. Soyez les bienvenus ce matin avec Vianney qui est notre invité, les amis. Vianney est là. Ah là là, je suis comme un fou. Vianney, dont le troisième album N'attendons pas sortira dans une semaine, jour oui, pour jour. Ouais. Ça y est, il sera partout. Pif, paf. Bah, pif, paf. On parle en onomatopée, Vianney, si tu ne connais pas ce matin. Et du coup, ce titre, Pas là, c'est le titre qui a propulsé ta carrière au niveau national. C'est avec ce titre qu'on t'a découvert en France. Du coup, ce matin, j'ai une petite interview pour toi. Interview, t'es là ou t'es pas là? T'es là ou t'es pas là? Je vais te mettre en situation, je vais te donner deux, trois petits exemples, deux, trois situations. À toi de nous dire et d'en apprendre un petit peu plus sur toi, c'est ça le but. Et de répondre si t'es là, si t'es pas là, et de nous expliquer un petit peu pourquoi, ok? Nickel, les gars. T'es là ou t'es pas là, réouverture des bars, place Saint-Pierre à Toulouse, t'es là ou t'es pas là? Vas-y, je suis là, ça manque là. Ça ouais, commence, ah ça oui. Ouais, ouais. Comment ça s'appelle à Toulouse, voir si vous êtes vraiment. Là. Bah. Les deux saints. Le Saint des Saints, ouais. Ouais. Et attends, t'en as un autre aussi à côté, Vianney, c'est la couleur de la culotte. Ah bon? Tu connais pas? La classe. Ah non, mais Vianney, en mars prochain, tu viens en bikini. Alors déjà, il y aura plus toutes ces soucis. On pourra sortir dans la rue tranquille, on l'espère, on croise les doigts. Et on t'emmène à Saint-Pierre avec nous. On va te faire découvrir chez tonton le Saint des Saints, la couleur de la culotte. Et le barbasque. Et le barbasque. C'est une place où il y a tout, en fait. Tu retrouves tout. Vianney, t'es là ou t'es pas là? Avec ton plaid et ton thé, un samedi soir devant The Voice. T'es là ou t'es pas là? Vas-y, je suis là. Bon, là, je serai pas là parce que je serai. Ah si! Attends, j'allais dire non, je serai dans le fauteuil rouge, mais non, parce que ce sera pas en direct. Sauf les phases finales. Ouais. Et ça va me faire marrer de regarder, ouais. Oui, parce que tu intègres le jury de The Voice cette année. Ouais, exactement. Non, mais ça, c'est la classe. Ah ouais. Ça, ouais. T'es là ou t'es pas là dans les tribunes de Roland Garros pour soutenir notre Toulousain Hugo Gaston? Ah, je suis là, d'ailleurs, j'étais là. Ouais, ah, oui, c'était toi. Ouais, ouais. T'étais contre Stan Wawrinka ou contre Dominique Thiem? Non, contre Thiem. Wawrinka, j'ai tout regardé. Ouais. J'ai tout regardé à la télé, mais non, j'ai réussi à y aller pour Thiem, qui était. C'était deux chocs énormes, hein, les deux matchs. Mais Thiem, je crois qu'il y avait quand même un petit truc en plus. C'était fou. Non, mais nos Toulousains, ouais, il nous a régalé. Tu peux peut-être même lui passer un mot, Hugo Gaston, qui nous écoute le matin, on lui transmettra. Mais non, mais tu sais, moi je suis très simple, dès que je suis touché comme ça, j'envoie un message sur Insta. Et ah, ouais. Ah ouais. Je lui ai écrit sur Insta et tout, je dis mais putain, mais merci, parce qu'en fait il faut quand même, faut les remercier les sportifs et tout, quand ils nous font rêver, ils nous font oublier la période de merde, voilà, ils nous donnent espoir en plein de trucs d'un coup, tu regardes 2 heures de match, t'es requinqué moralement, c'est moi je trouve ça mortel. Donc ces mecs-là, je sais pas, moi je leur dis toujours, les sportifs, j'adore les sportifs. Quand ils brillent comme Hugo, il faut les encourager à fond, quoi. Et il t'a mis un vu ou il t'a répondu quand même? Parce que moi j'ai essayé de lui écrire, il a pas répondu. Si, il m'a répondu. Vianney, t'es là ou t'es pas là? Il y a un bar à chat qui ouvre à Toulouse, t'es là ou t'es pas là? C'est quoi un bar à chat? Un bar où tu caresses des chats et tu bois un café. Tu bois du thé, un café. Ouais. Ah bah alors je suis là, j'ai un chat, je kiffe les chats. Voilà, et puis boire des coups avec des copains, ouais. Et tu l'as mis aussi en photo sur Instagram, ton chat, c'est la photo qu'on a vue dimanche dernier d'ailleurs. Ah, il est photogénique. Ouais, il est super beau, il est magnifique. J'aime trop. Vianney, soirée FIFA chez Arthur, t'es là ou t'es pas là? Vraiment, je suis là. Alors, soirée FIFA, je suis là tout le temps. Non, vraiment, ça me ferait trop plaisir. Je passe dans le sud, ça me ferait plaisir de jouer. Dès que je peux jouer, c'est comme le tennis, si on me propose, je suis là. Vianney, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin. Ton troisième album, N'attendons pas, il sort vendredi prochain. Ça y est, dans une semaine. On t'envoie plein de force, plein de bonnes choses pour la suite. On se recroise à Toulouse, dans les bars. Avec grand plaisir. Merci, c'était un trop bon moment.